សូមជម្រាបតលោកមេធាវីកុងសំអនបាទសូមអរគុណលោកវិធានខ្ញុំសូមសួរបន្តតកតងទៅនឹងព័ត៌មានខ្លះៗថាតើក្នុងរយៈពេលពីឆ្នាំ1979រហូតមកដល់ពេលដែលមានសហមានការិយាល័យសហជាក្រមសើបអង្គទៅសាក់សួរលោកមានបានធ្លាប់ពិភាក្សាឬក៏និយាយពីបញ្ហាមន្ទីរឃុំឃាំងក្រាំងតាច័ន្ទនោះជាមួយអ្នកណាខ្លះទេ Miền Krom Srao Sriu Ai Kỳ Sá Mùi Phía Rất Nợ Sray Kho Lạy An Bà Sâm Ố Cốn, mấy bạn kê đăng thà lộp chọp, thlọp chọp nơi mình tì kăng thị chán គេស្រាវជ្រាវពីត្រាំកក់ពីមន្ទីរស្រុកត្រាំកក់ប្រុសខ្ញុំធ្លាប់និយាយរឿងប្រវត្តិខ្ញុំបាទតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានរបស់លោកដែលលោកបានវិភាសាជាមួយអ្នកដតីវិញខ្ញុំអត់និយាយពីអ្នកដែលទៅចុះស្រាវជ្រាវទេ តើលោកមានបានវិភាសាជាមួយអ្នកណាអ្នកណាខ្លះដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យលោកឬក៏លោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅគេវិញទាក់ទងក្រាំងតាច័ន្ទនេះ ពេលខ្ញុំកាលខ្ញុំនៅធ្វើទាហានស្រុកត្រាំកក់ខ្ញុំនិយាយទៅដល់កន្លែងណាគឺខ្ញុំនិយាយរឿងនឹងកន្លែងនឹងកន្លែងតំបន់ស្រុកត្រាំកក់នឹងតែម្ដងព្រោះអ្នកណាក៏ស្គាល់ខ្ញុំនេះ ក្នុងបរិវេណស្រុកត្រាំកក់អោយតំបន់ធំគឺស្គាល់ខ្ញុំទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំនិយាយប្រវត្តិខ្ញុំថាខ្ញុំចុះគុកនៅក្រាំងកាច័ន្ទរយៈជិត3ឆ្នាំទូបីមេឃុំណាក៏ស្គាល់ខ្ញុំថាខ្ញុំជាប់នោះនឹងដែរបាទសូមអរគុណចឹងបានន័យថាលោកតែងតែដើរនិយាយប្រាប់ពីបញ្ហានឹងទៅគេរហូតហើយចុះលោកមានដែលទទួលព័ត៌មានពីគេវិញថាក្រាំងកាច័ន្ទនឹងយ៉ាងម៉េចដែរទេ អត់ដែលបានព័ត៌មានបាទសូមបញ្ជាក់មកវិញចុះម្ដាយរបស់លោកលោកដែរបានទទួលព័ត៌មានពីម្ដាយរបស់លោកទេខ្ញុំអត់ដែលបានជួយជាមួយម្ដាយឬទទួលព័ត៌មានអ្វីពីម្ដាយបាទសូមអរគុណ បងប្អូនឬក៏មិត្តភក្តិដទៃទៀតក៏លោកអត់ដែរបានទទួលដែរមែនទេគេគ្រាន់តែទទួលពីព័ត៌មានពីខ្ញុំខ្ញុំនិយាយគេមិនបានគេយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់តែប៉ុណ្ណឹងគេគ្រាន់តែថាថ្ងៃកំសត់ណាស់តែប៉ុណ្ណឹង Je remercie Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur. Misoka, je m'appelle Je suis un peu plus de temps.
got clay cloon chim, me poom, tang, which I'm just up, the whole large and I'm just up pram, just up from way, dog, yum bike, picnic, got yum at Dungana, bike cream at Dungana, Dungan, the no bad bong, the banana. La date m'aurait suffi puisque c'était la question précise que je vous posais. Est-ce que vous savez, je sais que vous étiez jeune à l'époque, est-ce que vous savez si Onop, chef de coopérative, a eu des problèmes particuliers avec votre père et avec votre beau-frère avant la réunion que vous avez évoquée lors de votre déposition? Nhôm đang bắt lót ta trăng kì oi bòn khai nhôm hay nâng bọc nhôm vừa chỉ mới tinh nâng hay bị muốn nó cà pi vậy luôn bị tại tạ cao quạt miên tỏ tên khi khác nhôm đang được bản năng ấy. Je vous remercie de cette précision. Vous avez évoqué également au cours de votre déposition le fait que peu de temps après la réunion à l'origine de l'arrestation de votre père et de votre beau-frère, que peu de temps après, votre père et votre beau-frère donc, ont été convoqués par l'ANCAR. Vous avez utilisé le terme ANCAR. Est-ce que vous pouvez préciser dans ce contexte-là de qui vous parlez exactement et quels sont les responsables au niveau de la commune qui ont convoqué votre père et votre beau-frère? À l'audience du 8 janvier 2015, vous avez indiqué, ça a été abordé par mon confrère de Nunchea, vous avez indiqué, je cite, « Je n'ai pas participé à la construction de canaux. J'étais chargé de surveiller le bétail, car j'étais encore un jeune garçon. » Et mon confrère de l'équipe de Nunchea vous a fait, dans le même temps, confirmer une déclaration des co-juges d'instruction dès 25-3. Je vais citer les ERN exactement en français. ERN 00-178-111. ERN en anglais 00-222-3-4-9-4. Et ERN en Khmer 00-163-5-1-1. Et dans cette déclaration, vous avez indiqué qu'on avait fait ramasser les excréments des bœufs et élever les canaux dans l'unité des enfants. Fin de citation. Alors ma question est de savoir, est-ce que oui ou non, vous avez participé à la construction des canaux? Parce que moi je vois que vous avez deux déclarations différentes. Est-ce que vous pouvez préciser à la chambre? Est-ce que vous pouvez préciser à la chambre? Est-ce que vous pouvez préciser à la chambre? Je vous remercie de la chambre. Je vous remercie de la chambre. Je vous remercie de la chambre. Khiom chop kai ka rư ai kô kê oi dang chô ruom chít pra lai ban tạch tuột. Nhưng chúng rếp rạp lúc là ca lúc là ca anh chăng rồi tạch tuổi ác nhóm bàn chị bà lái nó bê lúc kê thả bà anh bê là cặp ai cô nâng hái tôi chui rạch bà lái cái khla hòn. Pourtant, à l'audience du 8 janvier 2015, à 11h03, voilà ce que vous dites.
Je n'ai pas participé à la construction de canaux. J'étais chargé de surveiller le bétail car j'étais encore un jeune garçon. On ne m'a donc pas chargé de participer à la construction des canaux. Sans hésitation. Est-ce que je dois comprendre que vous changez aujourd'hui votre position? Je suis très heureux de vous parler de votre position. ខ្ញុំអត់ផ្លាស់ប្ដូរព្រោះខ្ញុំចូលរួមខ្លះៗដែរព្រោះប្រឡាយវាជីកខ្ញុំជីកតិចខ្ញុំមិនមែនជីកច្រើនរាប់ថ្ងៃរាប់ខែដូចគេព្រោះកូនប្រឡាយទូទិចសម្រាប់កុមារហើយកាលណាខ្ញុំទំនេរគេត្រូវប្រើឲ្យទៅរែកមួយថ្ងៃបានយ៉ាងច្រើន 3-4 jours. Bien, je me contenterai de cette réponse. Je voudrais maintenant passer à votre période au centre de sécurité de Trinh Tat Chan. Vous avez indiqué que au sein de ce centre de sécurité, vous avez également continué à accomplir la tâche de garder les bœufs. Première question, est-ce que c'était une tâche que vous accomplissiez tous les jours? Est-ce que c'était une tâche que vous accomplissiez tous les jours? Vous avez indiqué pour les faits que vous avez décrits devant cette chambre sur les interrogatoires auxquels vous auriez assisté et sur les exécutions que vous auriez assisté ou en tout cas en partie. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'était la période durant laquelle vous étiez chargé de vous occuper des bœufs? Vous avez décrit votre quotidien au sein de ce centre de sécurité en disant qu'après 1976, vous étiez relativement libre de vos mouvements pendant la journée. Est-ce qu'il est juste de dire que vous n'aviez pas un statut similaire aux autres prisonniers? Est-ce que ce statut différait également dans les repas que vous aviez? Vous avez indiqué que vous aviez deux repas par jour. Est-ce que c'était les mêmes repas que les autres prisonniers ou aviez-vous des repas différents? Je suis très heureux de vous dire que les autres prisonniers ont des repas différents. Les autres prisonniers ont des repas différents. Et pourquoi receviez-vous une ration plus importante? Thank you.
Est-ce que ça n'avait pas plutôt un lien avec le fait que votre mère travaillait en cuisine? ត្រូវនឹងការដែលថាម្ដាយលោកនឹងធ្វើការនៅជាក្រានបាយមិនអញ្ចឹងទេបានគេឲ្យលោកហូបចុកច្រើនជាងគេបន្តិចនោះអត្តតងជាមួយម្ដាយឬហូបចុកយើងអ្នកទោះតើមានមិនយុត្តិធម៌គឺគេធ្វើបាបដល់ម្ដាយខ្ញុំទៀតស្រេចតែអង្គការគេមកចាត់ចែងទេរឿងហ្នឹង Je voudrais évoquer avec vous les déclarations de votre mère. Nous savons qu'elle a été interrogée devant les enquêteurs du groupe Jean-Sanction. C'est le document D25/30. Mais ce qui m'intéresse, parce que c'est plus précis, c'est l'audio de ces déclarations. Et je voudrais vous citer une portion de ce qui a été indiqué. Donc, les références de l'audio sont les suivantes. ERN en français 01 05 6 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
ខ្ញុំមិនដឹងឃើញថាមានបញ្ហាបកប្រែឬអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចម្លើយដែលគឺថាប្រធានEn français, typiquement, j'ai dit chef tout simplement ce dans l'extrait que je n'ai pas précisé. Donc, est-ce que le témoin peut répondre à ma question? Il y a un problème de traduction? Donc, monsieur le témoin, est-ce que មានតែតិចហាញ ទំលង 4-5 ដុំ តែ ប៉ុណ្ណឹង ឯង ឬ លើស តែ 5 ដុំ ចុះ 5 ដុំ ដុំ មិន មែន ធំ ទៀត ដុំ ប៉ិន មាន ដៃ Monsieur le témoin, excusez-moi, la question du fonctionnement de nos centres de sécurité. Vous avez évoqué au cours de votre déposition un certain nombre de noms. Monsieur le témoin, la partie de votre déposition est affichée et je voudrais récapituler avec vous les noms que vous avez évoqués. Vous avez évoqué un certain Anne, ensuite Ben, ensuite Duik, ensuite Cheng, ensuite Meun, ensuite Ouk, ensuite un autre Duik, ensuite Sim, ensuite Seng, et ensuite Son, ou Swan, je sais pas si je prononce bien. Ensuite un Chun, et en dernier un Tuk. Est-ce que ça correspond bien à vos souvenirs et à bien ce que vous avez dit aux enquêteurs lorsque vous avez été entendus? ខ្វះមនុស្សម្នាក់ទៀតសៀងអ្នកឃាតកម្ម
D'accord. Je pense qu'il apparaît un peu plus bas sur la page, mais il faudra remercier cette précision. Mes questions vont être très simples par rapport à ce que vous avez évoqué. Vous avez indiqué que vous avez assisté, en tout cas en partie, à une exécution d'une centaine de prisonniers en 1977. Je voudrais savoir, parmi les gens du personnel que vous avez évoqué dans votre déclaration, combien de personnes étaient présentes? Est-ce que, par exemple, le jour de vous situer cette exécution, est-ce que, parmi les noms de figures, certains étaient présents sur les lieux de l'exécution? Et si oui, lesquels? វត្តមាននៅទីនោះទេហើយបើសិនជាមានអ្នកណាខ្លះ D'accord, donc si je comprends bien, Pen et Swan, par exemple, étaient présents, c'est ça? Chang Men. Monsieur le Président, je vois qu'il est midi. Je vous remercie. Toujours en ayant mémoire le personnel du centre de sécurité, vous avez évoqué la présence de haut-parleurs au sein du centre de sécurité. Vous avez indiqué qu'ils étaient à l'intérieur de l'enceinte. Est-ce que vous pouvez préciser à quel endroit exactement? Est-ce que c'était dans le bâtiment et dans quel bâtiment, puisque vous avez indiqué qu'il y avait trois bâtiments différents? Est-ce que vous pouvez préciser exactement à quel endroit ces haut-parleurs se trouvaient? Est-ce que vous pouvez préciser exactement à quel endroit ces haut-parleurs se trouvaient? Cái đã trong bục tòa kia tìm oi cái lái nam miên mà nôn nâu cái đã thùng bạc phân phân đây mà cái lái muối hay mê crô muối. Donc si je comprends bien, le haut-parleur est en face du bâtiment, mais à l'extérieur du bâtiment, c'est bien ça? Thông ba micro nâng nâu khẳng nông mẹn nâu khẳng krau mẹn nâu khẳng nông kia đấy chẳng mẹn đấy. Nâu khẳng krau kì đã ép nhìn chàng. D'accord. Je remercie cette précision et... Ban bằng plus. En ayant en tête les personnels que vous avez évoqués, qui étaient en charge de mettre en marche ces haut-parleurs au moment des interrogatoires et des exécutions, puisque c'est ce que vous avez indiqué, que vous mettez ces haut-parleurs en marche? Quel était le membre du personnel qui était en charge de mettre ces haut-parleurs en marche? Nè nà kê chmô ấy nè chạ mì krô nâng pê lê kê xâm lạp mânô nâng. Nè nà bá kô bá tê krông bộc lực kê là pi nè nâng. Ất miên chăm bạch chmô nà chmô nà. Vous voulez dire qu'il n'y avait personne d'affecté à cette tâche particulièrement? បានចឹងលោកចន់និយាយថាគ្មានគេអត់មានបានចាត់តាំងអ្នកណាឲ្យធ្វើការងារខាងចាក់មីក្រូនឹងច្បាស់លាស់ទេចឹងណាអត់ពិតប្រកបទេរឿងអានេះចាក់មីក្រូអត់ចាំបាច់មានអ្នកណាម្នាក់កាន់កាប់ឲ្យអត់មានទេអ្នកណាបើកក៏អត់ពេលគេធ្វើការ À l'audience du 21 janvier 2015, vers 19h23, vous parlez du nombre de personnes qui auraient été exécutées.
Et vous dites que le nombre dépendait, qu'il pouvait y avoir entre 50, 70, 80, voire 100. Et qu'à chaque fois, chaque jour, il y avait au moins 20 prisonniers. Et que les prisonniers arrivaient la nuit. Ma question est la suivante. Vous avez indiqué également, pour être complète, là c'était le 21 janvier vers 10h22, 48 secondes, un petit peu avant, que le bâtiment en question, vous pouvez accueillir plus de 100 prisonniers. Je voudrais, si vous pouvez donner une moyenne que vous puissiez indiquer à la Chambre, selon vous, combien de personnes en moyenne il y avait par mois. Qui arrivaient, combien de prisonniers arrivaient par mois en moyenne. Parce que les chiffres que vous avez donnés ne m'ont pas permis de bien comprendre. Selon vous, est-ce que vous pouvez donner une estimation selon vos souvenirs de personnes de 15 ans à l'époque? Je pense que les chiffres que vous avez donnés ne m'ont pas permis de bien comprendre. Je pense que les chiffres que vous avez donnés ne m'ont pas permis de bien comprendre. Je pense que les chiffres que dục lang miên chuyên đọc nợ mà phê nợ, xàm sắp nợ chăng mà dục nó mà bày đòn chăng đâu. Đọc bên nhà kia mùi, đã tòa kia mùi đâu. Dục sạch lắm cái nôm mà to tiết mau. Đọc bên nhà kia nó ban kia mà to xâm lập. Rưu ọt bên của cái trâu tay xâm lập đây. D'accord. Donc, selon vous, vous avez à peu près entre 10 et 20 prisonniers qui arrivaient chaque nuit, bien ça? Donc, 10 à 20 prisonniers chaque nuit multipliés par 30 jours. En un mois, on avait jusqu'à 300 voire plus prisonniers, c'est bien ça selon vos estimations? Bình chân và tạm cả bàn mà nâng phải chân ấy phải mà khai phải chỉ chuyện bay rồi nhé. Khiếm tham minh bị lư bị bay rồi. Alors, monsieur le témoin, je voudrais vous citer un extrait d'une déclaration d'une personne qui travaillait au sein du centre de détention et qui donne des chiffres qui ne correspondent absolument pas à ce que vous indiquez. Et je voudrais savoir si ça vous rappelle des souvenirs ou pas. Il s'agit du témoin TCW 847. Je donne que le pseudonyme pour le moment. La question qui est posée, le RN en français 00 4 4 0 9 1 0 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
Je n'ai pas de problème à ce que le témoin sache de qui il s'agit. J'essayais d'être rapide, pas faire perdre du temps à la chambre. Mais si la chambre accepte de prendre ses minutes supplémentaires, je n'ai aucun souci. Avec l'aide de Monsieur l'huissier, si on peut remettre la copie en khmer de la déclaration du témoin que je viens de citer. Je vais donner le document, mais pour ne pas perdre de temps, je voudrais sur la ligne de questionnement, monsieur le témoin, le document où je vous cite l'autre témoin qui donne des chiffres différents va vous parvenir, mais pour ne pas perdre de temps, je voudrais le document vous arrive. Alors, en faisant, monsieur le témoin, très attention de ne pas citer le nom du témoin qui n'a pas encore comparu, donc est encore un témoin protégé par un pseudonyme. Je vous demande de regarder le nom qui est à la première page, qui normalement a dû être souligné, et de confirmer que vous le connaissez bien et qu'il travaillait bien au centre de sécurité. Est-ce que vous avez vu le nom, monsieur le témoin? Kim Skol, Bantai, Ka Bat Bang Baki. Et est-ce que cette personne travaillait bien au centre de sécurité? Kim Surata, Bokol, Nang Kwat, Ka Nam Ti San Sok Nang Mende. Kwat Pu Nang. Est-ce que, dans ces conditions, vous pouvez répondre à la question que je vous ai posée tout à l'heure, à savoir comment expliquez-vous la différence de nombre évoquée par lui, à savoir 20 à 25 prisonniers par mois, et ce que vous avez indiqué, à savoir 200 à 300 prisonniers par mois?
ពួកគេនៅធ្វើហ្នឹងគេមិនអាចចំហពាក្យសម្ដីថាក្នុងមួយខែ 100 អ្នក 200 អ្នក 300 អ្នកជាងគេមិនចំហព្រោះគេនៅធ្វើការបុគ្គលិកនៅហ្នឹង Et pourquoi? Bah, hai dai ban da tay ye chang bat bang ai na. Pru khlaich tha ke chi neak dai dol nou kalai nou dai. Et cet auteur allégué faisait-il partie hay, de charay na de ke chon ba kan na kwat tveu ka che pichakhet ru ko kwat mien mok ngie ay phseing te nou knong ti san sok nang kwat niel sa donc si je comprends bien selon vous tiang ba khnyom jol mon kote ta ba tam ni aucun interrogatoire ba tam bà tam lục nó cứ tha quát ăn mấy bàn chô rùm xôi mà lại hay nó sầm lạp thì chẳng mệt đấy ờ thế Et vous avez indiqué également que mà lục ăn lại phong đấy tha lục kinh hơi nó en mesure de savoir quel était le nombre exact. Donc ma question est la suivante. Mình bạn đang chuẩn bị cho cái chứng sumnu khi ông chúng ta đã 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 D'accord, c'est votre position et c'est votre seule explication sur la différence de chiffres que vous avez donné, c'est bien ça. Mula hait ampi tua lech chang men de tha doy sa kwat lek bat bang ve khos pi lok chang ha. Sa thai ma ton chloi top, som chueng luk tumnang sa pinya. Thank you Mr. President. សូម អរគុណ លោក ប្រធាន ខ្ញុំ មិន ជំទាស់ ជា ច្រើន ដង ទេ ប៉ុន្តែ សំណួរ នេះ សួរ ឲ្យ សាស្ត្រ័យ សន្និដ្ឋាន ស្មាន អំពី ចំនួន ហើយ ខ្ញុំ មិន ឃើញ មាន គោល បំណង ឲ្យ សួរ សំណួរ ដដែល ដដែល នេះ ហើយ សូម ឲ្យ សាស្ត្រ័យ ឆ្លើយ ដោយ សន្តាន អំពី ចេតនា គាត់ ទេ Monsieur le Président, je pense pas que ma question soit répétitive. លោក ប្រធាន ខ្ញុំ គិត ថា ខ្ញុំ ដូច ជា មិន សួរ ដដែល ដដែល ទេ ខ្ញុំ គ្រាន់ តែ លើក ពី ភាព ទុយ គ្នា Je lui demande, je pense que c'est uniquement juste à l'égard du témoin que qu'on puisse permettre de commenter avant que cet autre témoin vienne donner son témoin. Lục Thiên này bạn phật đạo về liên thai mà khi nhom xum bên chập trầm này Lục Thiên. Ba ông quân. Ba lần đi ông chấm đây xum ông quân chụp lục miệt sốc há. Đại bàn lục bàn chấm này về liên đồng miền đồng lái một đạo thực hay cam để chụp một ông chân ông chấm đây là đồng bốn. Bộ màn tháng ngày, bộ màn xa cờ lông một đi. Hay ca sập thực hay cam và lục không niệm như xạ xây là hồ đạo về đi bàn chập hơi. វត្តមានរបស់លោកនៅបន្ទប់សំណាកានេះលែងមានភាពសំខាន់និងចាំបាច់ទៀតហើយហើយលោកមេសខាអាចបើត្រឡប់ទៅលំនៅឋានឬក៏គោលដៅណាដែលលោកមានបំណងចង់ទៅវិញបានហើយហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការសរុបរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃអង្គភាពគាំពារសាក់សីនិងអ្នកជំនាញនៅក្នុងការជូនលោកមេសខាវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានឬក៏គោលដៅណាដែលគាត់ចង់ទៅវិញចុះហើយឥឡូវនេះដល់ពេលថ្ងៃត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយអញមេសខាសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរ
ហើយយើងស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីណាស់ស្ដាប់សក្ខីកម្មដើមម្ដងរដ្ឋបណ្ដាប្រតិបត្តិវិនិយោគមួយរូបដែលមានហាសនាម PTCCP 296 ហើយប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីខុមខាំងនាំខ្លួនលោកខឿនសំផនទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាធារណការនេះចុះហើយនឹងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់មកចូលរួមក្នុងសាធារណការក្នុងបន្ទប់សាធារណការនេះវិញនៅរាជធានីឲ្យបានមុនម៉ោង